ce qui était le vendredi, il peut me rappeler le psaume que nous avons lu. C'était le psaume 3. Non, proverbe, pardon. Proverbe 3. Proverbe. Proverbe 3. Voilà. Proverbe 3, 9 à 10. Bon, je commence au verset 8. Proverbe chapitre 3, le verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémisse de tout ton revenu. Alors les greniers seront remplis d'abondance et le cuve régorgeront des mous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous venons encore ce matin, Père éternel, devant ton trône de grâce. Où Dieu s'incliner devant toi parce que nous ne sommes pas dignes. Il n'y a que toi qui étais digne ce jour-là, qui était digne de prendre le livre et de l'ouvrir. Et l'homme ne pouvait même pas regarder à cela. Mais ta grâce c'est juste ce matin encore sur ton serviteur d'ouvrir ce livre et de le lire. Mais l'interprétation ne peut venir que de toi. C'est pourquoi même celui qui parle, même ceux qui l'écoutent, que notre entendement soit attentif à ta parole. Guide-nous Seigneur en tout et que tout esprit de dérangement soit ôté de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour... Les absents, les fuyards et tout. J'ai juste peut-être vous rappeler, vous mettre un peu dans le bain de ce que nous sommes en train de parler. Depuis dimanche, nous avons pris un enseignement et c'est l'enseignement qui concerne les dîmes et les offrandes dans l'Église. Alors, j'avais commencé par montrer dans la Bible ce que c'est que les dîmes et les offrandes. Nous avons vu que les dîmes ont été payées avant même qu'il y ait la loi. Amen. Donc, avant qu'il y ait la loi, Abraham avait payé la dîme. Et cette dîme qu'Abraham avait payée, nous avons vu que ce n'était pas à un homme qu'il avait payé. Il l'avait payé à un homme, disons, que la Bible appelle Melchisedec. N'est-ce pas? C'est la première fois que nous voyons dans la Bible que quelqu'un paye la dîme. C'était, je crois, Exode 14. Et vous pouvez aller lire à la maison si vous avez manqué cet enseignement. Frère Poli l'a déjà mis sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez aller l'écouter tranquillement chez vous. Et puis, si je vous rappelle, qu'il a donné la dîme à qui? À Melchisedec. Et Melchisedec n'était pas un homme ordinaire. C'est ce que nous avons vu. N'est-ce pas? Amen. Participez, c'est un enseignement. Amen. Prenez note. Amen. Donc, Melchisedec n'était pas un homme. Nous avons découvert que Melchisedec était Dieu lui-même. Amen. Pourquoi c'était Dieu? Frère Branham dit, parce que Melchisedec n'avait ni père ni mère. Tout homme qui vient dans ce monde, il a un père et une mère. Amen. Mais Melchisedec n'avait pas de père ni de mère. La Bible nous dit encore qu'il n'avait ni commencement de jour, ni fin de jour. Amen. Amen. Et on nous dit simplement qu'il était roi de Salem. Et Salem, c'était l'ancien nom de Jérusalem.
roi de paix. Parce que Salem, ça signifie aussi paix. Amen. Or, il n'y a que lui. Si nous appelons Jésus prince de paix, donc son père, c'est le roi de paix. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, Melchisedec, à qui Abraham avait payé la dîme, n'était pas un homme. C'était Dieu lui-même. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'était Dieu lui-même. Et Melchisedec, en retour, il lui a donné quoi? Il lui a donné. Donc, quand, d'abord, c'est Melchisedec qui a donné. Nous avons dit le pain et le vin. Et le message nous montre que le pain et le vin, ça symbolise seulement la parole et le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça, c'était la première fois qu'on voyait un homme payer la dîme. Et il lui a payé la dîme de quoi? De tout. Amen. Parce qu'il y a des questions là-dessus. La dîme de tout se revenait. Il a payé ça à Melchisedec. Donc, nous avons dit que la dîme, quand nous la payons à l'église, nous ne la payons pas à un homme, nous payons à qui? À Dieu. Et nous avons vu que ça, c'était avant la loi. Mais quand Moïse vient avec la loi, maintenant Dieu ordonne, il institue ça comme une loi. Amen. Ça devient une loi, c'est-à-dire une obligation que chacun, chaque homme devrait payer. Nous avons pris beaucoup d'exemples. Donc, je vous épargne le détail. Vous pouvez aller suivre ça sur Internet. Donc, il a payé. Donc, Moïse, quand il vient, il lui dit, c'est une loi perpétuelle. Amen. Enseignez à vos enfants, amen, aux enfants de vos enfants. Amen. Amen. Donc, c'est une loi. Et nous avons vu que cette loi-là, n'est pas, quand on dit une loi, il n'y a pas d'exception. Dites amen à ça. Amen. Que tout le monde devrait payer la dîme. Nous verrons plus tard que même le sacrificateur qui reçoit la dîme, et aussi il paye la dîme. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc c'est une obligation pour tout le monde. Même celui qui reçoit la dîme, lui-même, il paye aussi la dîme. Et nous avons vu aussi dans la loi, après la grâce, les gens disent non, c'était la loi faire. Donc aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, nous ne pouvons pas payer la dîme, c'était l'Ancien Testament. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais nous avons découvert que même dans l'Ancien Testament, quand Jésus vient avec la grâce, Jésus n'a pas banni les dîmes, de payer les dîmes. Dites amen à ça? Au contraire, il a encore exigé que les dîmes soient payées. Dites amen à ça? Nous avons lu des Écritures. Et nous sommes en train dans les messages. Parce que nous disons aujourd'hui que nous, notre référence, c'est le message de l'heure. Amen. Dites amen à ça? Amen. C'est la parole du jour. Qu'est dit le prophète de votre jour? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de pasteurs sur Internet, n'est-ce pas? Qui racontent beaucoup de choses, des bêtises. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que la dame dit quelque part que ça, quand vous ne dites pas ce que la Bible dit, ce sont des bêtises. Amen. Qui dit par exemple que vous ne pouvez pas payer la dîme, c'était l'Ancien Testament, c'est toutes ces choses-là. Et beaucoup de gens aussi croient à ces choses. Mais nous, nous avons une référence. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même si tout le monde parle, mais le prophète de votre jour dit quoi? C'est ça. Qui dit le prophète de notre jour? Est-ce que vous dites amen à ça? Et là, je suis allé pour expliquer qu'est-ce que c'est que la dîme. Amen. Nous avons vu que la dîme, c'est les un dixième. C'est ça, n'est-ce pas? Les un dixième. Un dixième, c'est-à-dire que si vous avez 10 maisons, la maison, une maison appartenait à Dieu. Nous avons vu que quand vous avez 1000 euros, les 100 euros appartiennent à qui? À Dieu. Et nous avons dit que cette partie de Dieu, ça, c'est ce qu'on appelle l'interdit ou consacré à qui? À Dieu. Amen. Donc, j'ai 1000 euros, les 100 euros appartiennent
appartient à Dieu. Ça ne vous appartient pas. Dieu vous demande seulement le 1/10. Parce que tout ce qui entre entre vos mains, cela vous est donné de la part de qui? De Dieu. Mais Dieu en retour, il vous dit, mais vous me donnerez le 1/10. On verra où cela va aller. Comment on utilise ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Le 1/10 que vous donnez à Dieu. Et cette 1/10, le 100 € là, c'est sacré. Vous ne pouvez pas toucher ce qui est sacré. Amen. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à qui? À Dieu. Quand vous mangez ça, vous aurez des problèmes avec Dieu. Les gens disent, bon, je suis bien. Ah, Dieu a son temps. Cours comme tu veux. Même sans temps sur cette terre, ça, pour Dieu, ça ne signifie rien. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est l'interdit, c'est consacré à Dieu. Et nous avons vu que les dîmes, c'était le revenu de tout. Amen. J'ai des questions là-bas. Je commencerai par répondre à ces questions. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'on appelle le revenu? Et j'ai pris le dictionnaire pour expliquer c'est quoi le revenu. Bon, un frère est venu me voir pour me dire, mais pasteur, ce que vous disiez là, c'est, ce n'était pas la citation du prophète. Le revenu, tout ça. Oui, j'ai dit non. Ça là que j'ai dit là, c'est expliquer c'est quoi le revenu pour que les gens comprennent. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais je, parce que, bon, vous savez, frère Banam dit, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous, ça ne, nous, c'est pour votre bien, c'est pour notre bien aussi. Et je préfère quelqu'un qui vienne me poser la question que d'aller parler dehors. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, c'est une bonne chose. Vous n'avez pas compris quelque chose, venez me voir. Et il a raison. Quand vous attendez, vous, j'ai pris le dictionnaire, j'ai commencé à expliquer le revenu, c'est quoi? Frère, ce n'était pas une citation, mais frère, c'est une explication parce que le prophète lui-même prenait le dictionnaire et pour comprendre certaines. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Pour ça, je lis le prophète ici dans le message. C'est la question qui m'a été posée. J'ai d'autres questions, je vais aller petit à petit pendant que nous sommes en train de parler. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit ceci, dans le message ici, l'absolu. Amen. L'absolu... C'est de quelle date ça? Je ne vois pas la date ici. L'absolu, je crois qu'il y a que... L'absolu, c'est quelle année? 76, je crois. Amen. C'est ça, hein? Mauvais. Hein, frère, l'absolu, c'est... Parce que la première page, il n'est plus là, donc je ne vois pas la date. 62. 62, hein? Je voulais avoir quand même... J'ai la brochure, mais je ne vois pas le... Ok, mais vous savez, pour aller chercher, l'absolu, paragraphe... je prends quel paragraphe ici? 63. Paragraphe 63, c'est ça? 1963. Ah, de 1963. Alors, il dit ceci. C'est Branham qui parle. J'ai consulté les dictionnaires Webster. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie. Donc, ça n'a rien à voir avec on a ajouté ou bien on a retranché. Non. Ici, il explique les mots pour faire comprendre aux gens ce que ça veut dire. Amen. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, je peux prendre le dictionnaire, je dis bon, par exemple, je vois, bon, nous, on n'est pas des Français, par exemple. Est-ce que vous dites amen à ça? Le message, je le lis en français. Branham parle, par exemple, anathème, quelque part. J'ai dit, bon, anathème, je vais vous dire ici, frère, si vous ne le faites pas ici, vous êtes anathème. Mais beaucoup vont sortir pour savoir, c'est quoi anathème? Est-ce que c'est faux? Maintenant, si je prends le dictionnaire, je vous dis, maintenant, ce que ça veut dire, anathème. Là, j'ai ajouté. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non. Branham lui-même, il prend le dictionnaire pour savoir. J'ai deux ou trois témoins. Comme ça, on est tranquille avec ça. Il dit, voyez, cela signifie parfait en soi, absolu. Il est en train d'expliquer les mots absolu. Il ne savait pas absolu, ça veut dire quoi? Et il voulait expliquer aussi ça à son église. Amen. Cela n'est pas écrit dans la Bible, hein, la signification là. On vous dit seulement absolu, mais il prend le dictionnaire, il explique. Dites amen à ça. Amen. Il dit, à
Absolu, ça veut dire, donc, cela signifie parfait en soi, illimité dans sa puissance, principalement un point de référence final. J'ai déjà prêché sur ce message. Vous croyez à ça? Amen. Que Branham a pris le dictionnaire. Vous croyez à ça? Amen. Je vous lis deuxième citation. Comme ça, on passe. Dans, ici, le message, la restauration, du 22 avril 62, paragraphe 82. Écoutez Branham qui parle. Eh bien, j'ai vite regagné la maison et j'ai pris mon dictionnaire. Amen. Amen. J'ai pris mon dictionnaire et tout. Quelques notes sur les écritures. Et je me suis mis à copier certaines choses, ce qu'il disait dans le dictionnaire. Oui. Souvent, c'est des significations des mots. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et puis, j'ai pris le dictionnaire Webster. Il a beaucoup aimé ce dictionnaire-là. À l'époque, je crois qu'il y a que ça, il y avait que ça ou quoi? Hein? Webster, pour voir la définition exacte, n'est-ce pas? De restituer. Il voulait parler sur les. Il dit, mais le mot là, restituer, ça veut dire quoi? Il a pris le dictionnaire et il a vérifié. Et c'est là où il retrouve que non, restituer signifie remettre au propriétaire originaire ou remettre dans l'état initial. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, il l'explique par rapport toujours à la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il explique à l'Assemblée et nous pouvons donc faire valoir le droit à la restauration. La restitution de l'arbre de l'épouse. Je parle dans ce message-là, restitution de l'arbre de l'épouse. Il prend le dictionnaire, il montre, il prend la signification du mot et il explique. Dites amen à ça? Amen. Et il dit voilà, quand nous disons que. Tout ce que le Gazam a mangé, Dieu l'a restitué. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant, l'arbre était bien. Amen. Maintenant, les insectes sont venus, ils ont mangé ça. Mais quand Dieu vient, il le restitue ça. Amen. Comment tout le monde pouvait comprendre, que tout le monde peut savoir? Ah, donc la restitution, c'est remettre à l'état initial. Bon, et où est le mal quand je prends le dictionnaire? Est-ce que c'est mauvais? Non. Troisième témoin. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Alors, il dit un paradoxe. Dans le message, un paradoxe du 28-12-62. Paragraphe 2. Eh bien, je suis allé, quand j'y ai pensé, j'ai pris le dictionnaire et je me suis dit, c'est un mot un peu inhabituel. Vous savez, Branham aussi n'a pas fait de grandes études. Amen. Inhabituel. Nous ne l'utilisons pas très souvent. Alors, je me suis dit, peut-être, Seigneur, comme tu as placé cela sur mon cœur, il y a peut-être là quelque chose qu'il me faut connaître. Amen. Et le dictionnaire Webster dit qu'un paradoxe, c'est quelque chose d'incroyable, mais vrai. Amen. Amen. Quelque chose d'incroyable, mais pourtant vrai. On ne dirait pas que ça peut être un vrai, mais tout, pas du tout, mais c'est vrai. C'est ça un paradoxe. Amen. Il donne cette explication sur quoi? Sur les dictionnaires. Voilà, pour les bien-aimés qui se posaient la question sur ça, je n'ai pas dit la citation. Ce n'est pas une citation là. Mais je vous explique c'est quoi le réveil. Pour que vous puissiez comprendre, j'ai pris les dictionnaires. Pour savoir exactement quand on parle que vous devez payer la dîme de tous vos revenus. Revenus, voilà, ça, les revenus, ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai expliqué. Amen. Que on parle de dîme, tous vos revenus, des revenus, tous vos revenus, c'est-à-dire c'est quoi? Les salaires. N'est-ce pas? Amen. Les salaires font partie de quoi? Des revenus. Oh, le chômage. Moi, je ne travaille pas, je suis au chômage. Le chômage fait partie de quoi? Des revenus. Je vous ai lu, et même les blancs qui ont inventé ces mots-là, c'est ce qu'ils appellent le revenu. Au moins, je suis en retraite. Ce que tu reçois en retraite, c'est tes revenus.
Le revenu affectif, c'est de ce que vous vivez. Amen. Pour, et dans ça, ils ont dit pour une période donnée. Donc, ce que tu vis pour moi, ce qu'on te donne. Oh non, 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 non. Moi, je suis étudiant. Mais tu es étudiant. Tu vis de quoi? Ah non, bon, mes parents m'envoient de l'argent. Et ça, là, ce sont tes revenus. Tu dois payer le quoi? La dîme. Et nous avons vu, même les allocations familiales, même les CPA, c'est-à-dire de ce que toi tu vis, tu dois payer la dîme. Dites amen à ça? Et cela. Nous sommes allés plus loin, même pour des associations. On m'a donné une subvention. Sur la subvention qu'on te donne, toi, tu as une part. Tu dois payer la dîme de ce qui est ta part. Dites amen à ça. Amen. Donc je dis, par exemple, on te donne 150 000 pour une association. Mais dans cela, moi j'ai géré une association pendant 10 ans. J'avais des subventions qui venaient de la région flamande. J'avais des subventions qui venaient de la région wallonne, bruxelloise ici. J'organisais des étés jeunes. J'ai passé à la télévision ici. J'ai géré ça. Mais on te donne la reine Paola. Si je cherche ta mère, je peux vous montrer ça. Je suis allé dans ce bureau. On nous, parce que j'avais une maison que j'avais surnommée Mejap, maison des enfants et des jeunes africains. Donc les Charons, là, ils étaient encore pétés, mais ils ont participé. La Mejap. Je faisais l'alphabétisation, l'école des devoirs, organiser, s'occuper des jeunes. Donc je suis là, je peux prendre les jeunes moi-même, je sais comment on peut s'occuper des jeunes là. C'est le travail que j'ai fait. La formation, je l'ai fait ici. J'ai étudié ici en Belgique. Je sais ça. Maintenant, dans 150 000 là qu'on te donne, maintenant, j'ai des vacataires qui viennent m'aider, même si ce sont des volontaires. Mais ces vacataires-là, il y a des fois, je prends de cet argent-là, je ne le donne pas un salaire, comment on appelle, donc, on les appelle des vacataires, donc je leur donne un transport, par exemple. Oui, c'est ça. Un petit lien de bord. Mon frère, voyez, donc nous n'avons pas de salaire. C'est des volontaires, hein? Mais prends quand même ça pour le transport. N'est-ce pas? Maintenant, si tu es un chrétien, ce qu'on te donne comme transport, tu dois prélever quoi? Dans ce qu'on me donne, moi j'étais le responsable, j'étais le président, coordinateur, coordonnateur, comme vous voulez, moi-même j'avais un petit salaire que je me suis octroyé en tant que coordinateur. Dans ce montant-là, moi je prends 10 000 par exemple. Sur les 10 000, si je suis chrétien, je dois aussi prélever la dîme. Donc je ne prélève pas la dîme sur les 150 000 parce que c'est pour l'association. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ce qui est ma part, c'est ça. Je dois payer quoi? La dîme. Ah, c'est ça. Dites amen à ça. Amen. Nous sommes allés par, nous avons trouvé même des dons. Les jeunes comme ils sont, un frère m'a fait, on va passer. Même un cadeau à ta bonbonne, il est là. Soyez conduits. Non, je ne veux pas dire qu'on te donne un bonbon. Non, je veux, non. Mais c'est une façon de parler. Est-ce que vous dites amen à ça? Même un don. En fait, un don, on peut me donner un don de 10 000. Ouais, c'est ça. Hein? Amen. Et c'est ça. Je dois payer la dîme. L'héritage. Donc, mes parents, moi, m'ont laissé une maison, m'ont laissé des biens, de l'argent en banque et tout ça. Ce que je prends comme ma part, héritage, peut-être c'est toute la famille, mais vous allez partager. Vous dites amen à ça? Amen. S'il sait que vous allez partager, toi, tu dois payer ta dîme. C'est ça le revenu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Merci. C'est de cela que nous avons vu que c'est ça, quoi? Le revenu. Et maintenant, nous avons vu que cela, pour un chrétien, c'est une obligation. Amen. 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 Là, vous ne dites pas amen. 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 C'est-à-dire, un chrétien, nous avons lu des références chez le prophète. Quand je suis devenu chrétien, mon premier obligation, mon premier devoir, c'était de payer ma dîme. C'est une obligation pour un chrétien de payer ses dîmes. C'est un devoir, n'est-ce pas? Amen. C'est quoi encore nous avons vu? Hein? Un commandement ou une ordonnance. Retenez ça. C'est-à-dire, quand on dit que c'est une obligation, c'est un devoir, c'est un commandement
vous êtes obligé de les faire. Amen. On ne demande pas votre avis. C'est ça. Et nous avons dit que quand vous ne le payez pas, dites amen à ça. Ah, si vous ne le payez pas, savez, le mois prochain, vous devez ajouter les 1 cinquième. Là aussi, j'ai une question, j'y reviendrai. Donc, c'est là où nous avons vu toutes ces choses-là. Et maintenant, nous, pour avancer vite, parce que peut-être qu'on pourra terminer ça aujourd'hui, sinon, s'il y a des choses qui vont rester, des petites choses, les ministres pourront terminer après moi, sinon, mais pour les questions, quand moi-même je viendrai, s'il y a d'autres questions, je répondrai à ça. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas. Mais ne me posez pas ici. C'est malhonnête. Non, pas. Je voulais dire, c'est pas poli. Notez. Hein? À la fin, vous venez me poser. Voilà ce que l'ordre dans l'église. Ne s'élevez pas, sœur. Mais bon, on avait une sœur qui est venue chez la vie. Chaque fois qu'on voulait, il se lève, elle se lève, elle dit, pasteur. Les gens disent, oui, sœur, vous nous posez. Bon, c'est une nouvelle qui ne connaît pas. N'est-ce pas? Laissez-la poser la question. Mais pour vous qui sont enseignés, quand le pasteur parle, on ne pose pas de questions à ce moment-là. Amen. Notez votre question et après vous allez poser la question. Parce que ça perturbe. Dites amen à ça. Amen. Ah, mais Branham dit, bon, c'est pour un nouveau, on le laisse faire. Vous vous rappelez de cette sœur-là qui venait là, n'est-ce pas? La pilote, celle qui était pilote. Hein? Oui. Ah. Donc, bon, comme elle le connaît, elle le pose tout, elle se lève et dit, pas. Laissez-la poser la question. Elle posait, on répondait. Mais pour vous qui connaissez, vous devez être enseigné aussi. Amen. Voilà. Voilà. Alors, nous avons vu qu'on doit payer la dîme de tout, n'est-ce pas? Sauf dans des cas. C'est là où je suis arrivé. Amen. Vous vous rappelez de ça? Amen. Alors, sauf dans des cas qu'on ne peut pas payer la dîme à l'église. Et l'autre question, comme je le disais, un frère est venu me demander, pasteur, si quelqu'un fait la musique, il vient te donner la dîme, tu vas recevoir, tu vas prendre. C'est pourquoi je disais vendredi, pour ceux qui étaient là vendredi, j'ai dit, voyez, nous avons un prophète, n'est-ce pas? Nous avons une référence. Les prophètes parlent de des cas. Et c'est de ces cas, je vais commencer par là pour aller à la fin. Donc, c'est seulement dans les deux cas que si vous avez fait la prostitution, n'est-ce pas? Si vous avez fait la prostitution, excusez-moi, je suis en train de chercher la vie. Oui. Si vous avez fait la prostitution ou la vente des chiens, vous élevez des chiens et que vous faites ces choses-là, n'amenez pas les dîmes à la maison de Dieu. Je vais lire dans Deutéronome 23. Deutéronome 23. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Gloria type 1. Il dit ceci. Il n'y aura aucune prostituée. Bon, 17. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il t'amène à ça. Deux cas. Donc, c'est-à-dire que pour tout ce que j'ai qui entre dans mes mains, qui entre entre mes mains, je dois payer la dîme de ça. Sauf si vous faites la prostitution, ce qui ne peut pas être dans la maison de Dieu.
Si vous faites la prostitution, la Bible dit, ne la portez pas ici. J'expliquais encore ça dimanche. Vous voyez qu'on dit, on parle à qui cette écriture? Ça s'adresse à qui? Hein? Aux croyants. À ceux qui apportent la dîme. Ce n'est pas au passé qu'on demande ça. On demande ça aux croyants qui apportent la dîme. Quand vous apportez la dîme à la maison du trésor, on va expliquer, c'est une question aussi qu'on a posée, c'est quoi la maison du trésor? Quand on apporte la dîme à la maison du trésor, eh bien, la dîme là est entrée dans la maison de Dieu. Mais ce n'est pas le sacrificateur qui doit être là pour dire faire. Ça vient d'où? Où est-ce que tu as eu ça? Non, ce n'est pas mon devoir. Moi, c'est de le recevoir. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. Mais toi, tu sais très bien comment tu as eu cet argent. Oui, oui. C'est toi qui connais. Oui. Tu as eu ça comment? Ça. Si tu as fait la prostitution, n'amenez pas ici. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. Si tu élèves des chiens et que tu vends tes chiens, les intérêts que tu vas avoir là-dessus, n'amenez pas comme dîme ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Sinon, tu auras des problèmes avec Dieu. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est pourquoi quand vous me posez la question de dire, est-ce qu'un joueur qui joue au football qui t'amène les dîmes, tu dois prendre? Frère, moi je vois un frère qui vient déposer les dîmes, je ne lui demande pas, frère, comment tu as eu cet argent? Qu'il soit joueur, qu'il soit, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu ça, s'il a fait la musique, je ne sais pas. Mais je disais que je sais pourquoi on pose de telles questions. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On n'est pas des enfants. Je sais pourquoi. Mais ne posez pas des questions comme ça. Vous savez, mais vous voulez quand même tester, vous voulez quand même voir qu'est-ce que le passé va dire. C'est ce que les pharisiens ont fait avec Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous savez ça? C'est la parole. C'est une ruse. Tu sais, tu connais. Pourquoi vous me posez cette question-là? La musique. Oh, moi j'ai fait la musique. Hein? J'ai jamais fait la musique. Mais je sais pourquoi vous posez cette question. Mais ne soyez pas malin. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Dieu va vous défendre, va vous confondre un jour. C'est comme les gens qui, quand on était. Vous savez, quand l'homme n'est pas encore marié, on a vu de toutes les couleurs. Pourquoi tu fais ça? Mais attendez qu'il se marie. Très bien, pasteur. Donc, tu vas voir l'homme bouche bée. On a plein d'exemples. Il faut pas s'habiller comme ça. Il faut pas s'habiller comme ça. Mais le jour qu'il se marie, et sa femme, c'est le compte. Donc, c'est le compte de tout ce qu'il disait. Alors, Kamala Monoko. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah! Oh, frère, vos enfants, ces enfants-là. Ah, j'ai la parole là-bas. Attendez qu'il puisse. C'est à ce moment-là qu'il va dire, bon, moi, mes enfants, hein? Quand ils sont les autres, ces enfants-là, il faut les couper, ces enfants. Attendez que tu puisses avoir des enfants. Parler, c'est bien. Mais quand ça va vous arriver à toi, c'est là où tu sauras que, moi je pensais que. Rigolez bien. Non, critiquez les autres. Pendant que toi, tu n'as pas un enfant, mais tu critiques l'enfant de l'autre. Tu sais comment ton enfant il sera? C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, deux cas où on ne peut pas amener la dîme à la maison de Dieu. Branham dit cela. Je vous ai lu l'écriture. Je l'ai lu. Bon, parce que je recommence là. Donc, il dit dans le message de la religion de Jézabel, du 19 mars 61, paragraphe 53. Là, c'est la Bible que nous avons lue, n'est-ce pas? Parce que Branham, tout ce qu'il faisait, beaucoup de gens disent aujourd'hui, non, enfin, Branham, sa référence, c'était la Bible. Amen. Son absolu, c'était la Bible. Amen. Branham, maintenant, explique. Là où nous, les croyants de cet âge, nous croyons,
même si, je vous dis une chose, peut-être que ça peut vous choquer, mais Branham dit, même si c'est écrit dans cette Bible, si cela n'est pas dit dans votre âge, ça ne vous servira à rien. Donc moi, je vérifie, mon prophète de mon âge, il a dit quoi à propos de ça. Il t'amène à ça. Amen. C'est ce que je disais à un frère une fois. Le pasteur, les dîmes, ils ont dit que non, c'est pas comme ça, c'est pas ceci, c'est pas. J'ai dit, frère, tous les voix que vous attendez là sur les ordinateurs, sur Internet, ne tenez pas compte de ça. Amen. Si cela n'est pas appuyé par les prophètes. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le prophète de mon âge dit que je dois payer la dîme. Mais parce que j'ai écouté un charlatan. Dire qu'il ne faut pas payer les dîmes, dit, moi je dis, moi aussi je ne paye pas la dîme. Mais des conséquences vous en aurez. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Observez ta vie, observez votre vie, vous verrez ça. Branham dit que l'une des raisons de la pauvreté des hommes dans l'église, c'est le manque de paiement de quoi? Des dîmes. Vous êtes avec moi? Alors, il dit, regardez, dans des cas. Dans ce message, Jézabel, la religion de Jézabel, il dit, un chien, c'est la pire des choses. Pourquoi on ne peut pas apporter la dîme des chiens à l'église? Branham dit que c'est la pire des choses. C'est-à-dire la chose la plus mauvaise qui existe, c'est les chiens. Elle fait pas de nos papas, c'est comme ça, nous laissons monter. Et il a dit, comme ça, je ne peux plus manger le chien. Bon. Moi, frère, je ne dis pas il faut le manger ou pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais c'est comme ce que frère Félixon nous a dit une fois. Il a raconté ça au Congo il y a très longtemps. Ici, hein? Ici aussi, hein? Oui. Il avait aussi raconté ça ici. Alors, ils étaient à Lubumbashi, en train de manger, et on a amené sur la table, il y avait des morceaux de serpent. Vous savez, les morceaux de serpent là? Et c'est comme du poulet, là. Et ça goûte. Frère Félixon, c'est le serpent. Moi, je ne touche pas, c'est parce que Dieu l'avait maudit. Ouais. Tout le monde dit, c'est vrai. Frère Félixon, il a dit, bon, j'ai vu qu'il était vraiment sérieux. Il a dit, non. J'ai rigolé parce que le prophète n'avait pas parlé de ça. Ouais. La Bible dit, prier, manger, oh, tout ce qui se mange, qui se vend. Est-ce que vous dites amen à ça? Manger tout ce qui se mange, à qui se vend au marché. Quand vous achetez votre nourriture, priez. Est-ce que vous dites amen à ça? Même les chiens, en fait, ouais. Même les serpents, priez. Dites amen à ça. Ah bon, mais si tu es trop. Parce que quand il n'est pas convaincu dans ton cœur, il met ça de côté. Amen. C'est ce que Paul conseille. Amen. Et d'ici, je peux blesser quelqu'un, et que sinon, vous ne. Parce qu'il faut une conviction dans ton cœur. Si tu commences à agiter, est-ce qu'il y a, je mange ou pas, laissez. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais sinon, si vous avez prié, c'est bon. Amen. Amen. Branham dit donc, les chiens, c'est la pire des choses selon Dieu. Même la dîme des chiens ne peut pas être payée dans la maison de Dieu. Amen. Dites amen, amen. Il en est de même pour la prostituée. Pour la dîme de la prostituée, dit la Bible. C'est ce que nous venons de lire ici. Ok, la vitrine, tu vas en vitrine là. On te donne à la fin du mois 10 000. Garde ça pour toi. Amen. Oh, moi j'élève des chiens. Vous vendez des boxeurs et tout ça. Oh, 10 000 par mois que j'ai reçu, j'ai vendu mes chiens. La dîme de ça, garde ça pour toi. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est là où il faut faire. C'est-à-dire, c'est toi qui apportes la dîme. Toi qui sais que c'est la prostitution, n'amène pas. Tu sais que c'est le produit de vente des chiens, n'amène pas ça ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, le pasteur, moi je ne peux pas être là pour contrôler tout le monde. Parce que si tu amènes ça, les conséquences, ça s'embrasse. Mais si tu m'amènes, moi, je ne sais pas que c'est la position ou c'est le chef. Mais je vais prendre. Ah, c'est vrai. Pour répondre à ces frères-là qui m'ont demandé des questions sur la musique ou le footballeur qui paye la dîme,
Tu viens avec l'argent de la dîme, je prends. Amen. C'est toi qui dois faire attention à ça. Amen. La Bible s'adresse à vous, c'est pas à moi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, il dit, voyez-vous, la même, donc les chiens, c'est la chose. La... Ben, je disais vendredi pour dire que Branham, pourtant vous pouvez voir que c'est un peu contradictoire. Hein? Mais il dit, Branham avait un chien. Est-ce que vous savez cela? Amen. Mais ces chiens-là ne pouvaient pas mettre les pieds dans la maison. Il avait un petit truc, hein, dehors, un hangar, ou un... le truc là que vous appelez la cabane. C'est là où il dormait. On lui donnait à manger dehors et tout ça. Quand il voulait aller à la chasse, il s'appelait quoi? Comment j'ai oublié les noms? Pierre, il part à la chasse. Pas dans la maison. Mais aujourd'hui, il dort avec les chiens sur les lits. Vous savez ça? Frère, ici, en Europe. Mais tous ces blanches-là que vous voyez, les chiens dorment avec les chiens. Et ils nous donnent pour ces bijoux. Les bijoux, là, ce n'est pas comme on fait. Non, avec les langues. Et je vous dis, frère, il y a une image qui est passée. Je ne sais pas comment. Une femme en train d'embrasser le chien. Embrasser, c'est-à-dire pas la langue du chien. Je vous dis la vérité. Une abomination. Dites amen à ça. Amen. Une abomination. Et les gens jouent avec. Frère Madame dit, voyez pourquoi ils font ça. Ils ne veulent pas avoir des enfants. Hein? Cet amour qu'ils devaient donner aux enfants, ils le donnent aux petits chiens, aux petits chats. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Bon, on n'a pas parlé de chats. Ce n'est pas une abomination pour les chats. Moi, j'en avais un au Congo. Un chat. Pas les chiens. Un chat. Ce chat-là, donc, il était comme... à l'époque, j'étais encore célibataire. Donc, je peux, le soir, comme ça, par exemple, je vais aller dormir, je sors là. Le chat n'est pas là. Je l'appelle Joli, Joli. Et ça s'appelait Joli. Joli. Vous allez le voir sur les toits des maisons. Hein? Il saute, je le prends. Allez, on part dormir. Oui? Bon, quand je me suis marié, maman a dit non, dehors. C'est ce que. Vous voyez? Mais pas un chien. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un chien. Je ne dis pas ça parce que Branham avait un chien. Ah, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, voyez-vous? Donc, qu'est-ce que nous voyons? C'est-à-dire que tout ça, les deux cas où on ne peut pas payer la dîme, c'est la dîme de quoi? De la prostitution et des chiens. Et la vente des chiens. Tout le reste, frère, que soyez conduits. Bon, maintenant, vous allez dire, ah, c'est quoi ça? Moi, je donne pas de loi. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que la Bible ne donne pas de loi, moi non plus. Alors, il dit, en dehors de votre dîme, voyez, payer qui est une obligation. Les chrétiens amènent également à l'église, à la maison du trésor, leurs offrandes et leurs dons. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. En dehors de la dîme que je paye, je dois apporter des offrandes. Je dois, si j'ai le moyen, ceux qui ont le moyen, comprenez, me dit, un petit moyen, même un don, un frère dit, bon, c'est moi ici, pasteur. Je donne 1000 euros pour qu'on ne se tracasse pas. C'est un don. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah. Non, bon. Voyez, le bureau est trop sale aujourd'hui, les tapis là. Moi, je donne 500 pour acheter les tapis. C'est un don. Est-ce que vous dites amen à ça? Personne. Là, vous donnez ce que vous voulez. Beaucoup de gens confondent des choses. Et je l'avais dit vendredi ici. Donc, la dîme, c'est exactement le montant que vous avez. Pas moins, pas plus. Dieu est strict avec ça. Dites amen à ça. N'enlevez rien, ne retranchez rien. C'est strict avec ça. Mais la libéralité, si tu veux donner 10 000, mais si vous avez 1000 euros, ta dîme c'est 100 euros. Pas plus, pas moins. Si tu ajoutes, tu peux dire bon, parce que ça j'ai ajouté pour toi. Mais la dîme c'est 100 euros. Est-ce que vous dites amen à ça? Elle ne venait pas avec moins. Je vous ai dit qu'il y a des frères ici qui sont fidèles, même dans des centimes.
Je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Je vous ai dit aussi, il y a une sœur qui vient même avec sa fiche de paye. Aujourd'hui, je la vois, elle est là. Avec sa fiche de paye. Pasteur. Et nous calculons ensemble. Dites amen à ça. C'est là où je disais que les nets et les brits, il y a une différence. Est-ce que vous avez compris? Vous avez un brut de 3000 euros sur votre fiche de paye, mais on vous enlève les cotisations sociales, les impôts et tout ça, il vous reste 2500 de net. Vous payez la dîme sur les nets. Amen. Amen. Ah, 2500, tu payes la dîme sur ça. Maintenant, dans cela, c'est pourquoi après, parce que vous n'avez pas payé, c'est pourquoi vous payez la retraite, les cotisations et toutes ces choses-là. Parce que vous, on vous les a enlevés. On a gardé ça pour vous. C'est comme une épargne. C'est ce que l'État fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah. Maintenant, je dois apporter une précision. Un frère est venu me voir. J'avais dit ceci pour les indépendants. Un prêt. Vous avez emprunté, admettons, 100 000. 100 000 euros. N'est-ce pas? C'est un prêt que vous avez pris à la banque. Est-ce sur ça, je dois payer la dîme? Non. On ne paye pas la dîme sur les prêts. Mais j'avais dit que maintenant, sur les 100 000 ici, j'achète une immeuble. Et dans cet immeuble, je mets des locataires. N'est-ce pas? Et j'avais dit que s'ils payent 1200 euros, je dis, tu ne payes pas ça, ça c'est ton capital. Mais ce que ça produit, les intérêts que ceci produit, tu dois payer quoi? La dîme. C'est ça, n'est-ce pas? Nous l'avons vu avec vous, c'est le revenu. Donc, si un locataire paye 1200, alors je dois payer la dîme de combien? De 120. C'est ça, non? Alors, un frère est venu me voir, lui-même il est dans les affaires là, il m'a dit, non pasteur, c'est vrai que c'est comme cela. Mais, je dois d'abord, moi j'ai 4 locataires par exemple de 1200, 1200, ça fait combien 4? 2400. Hein? 4800. Pour 4 locataires. En fait, si je paye 480 euros, bon, la tête est partie déjà au courant. Alors, non, là, j'ai donné plus. J'ai dit, explique-moi, frère. Parce que moi, il a dit non. Sur 4 000 ici, moi, je dois rembourser à la banque au moins 500 euros chaque fin du mois. Vous voyez? Alors, sur les 4 800, j'enlève les 500 que je rembourse la dette. Voilà. Il faut être honnête en tout. Non, c'est-à-dire 500 fois 4. Oui. Comment? 500 fois 4. Oui. Ça fait 2000. Oui. Il va lui rester 2800. Non, c'est pas comme ça. C'est, par exemple, j'ai remboursé à la banque, j'ai pris 100 000. Mais à la fin du mois, je dois rembourser chaque mois 500. Oui, mais ce n'est pas fois 4. Donc, j'enlève les 500 que je rembourse. Tu ne rembourses pas 500, c'est ça, non. C'est le total. Donc, 500 que je paye par mois. C'est ça? Alors, j'enlève ça. Il me reste combien? Non. C'est combien ici? 4300. Donc, je paye ma dîme sur les 4300. C'est clair? C'est ça. Donc, Mais vous l'ajoutez qu'il y a des assurances? Non! Il y a des assurances et d'autres frais? Non, c'est-à-dire, on parle de remboursement des dettes, de la dette de ça. Tout le reste là, c'est. Parce que le reste c'est pour toi. Le reste c'est pour vous. C'est-à-dire que. Attends, 2 minutes. C'est-à-dire, c'est quoi? Quand par exemple, je paye, je rembourse la dette ici, il y a. Peut-être une assurance que je dois payer. Mais l'assurance, c'est pour qui? C'est pour moi. C'est pour la maison, c'est pour toi. Parce que si la maison brûle, on va aller. C'est pour toi, ça.
On ne peut pas mélanger tout ça, non. Tu enlèves juste, s'il y a d'autres choses, venez des choses, on pourra en parler et nous reviendrons. Et regardez comme ceci, je vous ai dit dimanche qu'il fallait payer combien? 1200. Mais en réalité, selon les choses, les remboursements de la dette, ça fait partie. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu enlèves ça et le reste, tu fais quoi? Tu payes ta dîme là-dessus. Ça, c'est une précision que je voulais. S'il y a encore d'autres choses notées, on en parlera. Et nous reviendrons ici pour corriger. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, c'est ce que je disais ici. Donc, quand on dit que la dîme, que je ne dois pas payer, c'est juste la dîme de la prostituée et de la vente de quoi? De chien. Tout le reste qui entre entre vos mains, vous devez faire quoi? Payer la dîme de ça. Vous êtes avec moi? Maintenant, quand je disais quand on a payé sa dîme, cela ne veut pas dire que vous avez tout. Non, il y a d'autres choses que nous devons faire ici à l'église. Un chrétien, on parle d'un chrétien. Si tu n'es pas un chrétien, là ça se comprend. Est-ce que tu as bien ça? Vrai, madame dit un chrétien. Bon, si tu es encore païen, ça se comprend. Mais lui, il dit, dès que je suis devenu chrétien, mon premier devoir, c'est de payer ma dîme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Bon, c'est vrai. Il y a de ceux qui ne sont pas encore des chrétiens. Mais on se demande comment un homme peut rester des années et des années venant à l'église, ne payant pas ses dîmes, et ça ne lui a jamais dit quelque chose. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes avec moi? Alors il dit ici, voyez-vous, dans, oui, 1 Corinthiens 16, 2, on le dit là, nous l'avons lu aussi les dimanches, allez dire cela, à la maison du trésor, les offrandes et dons. Oui, nous savons déjà que quand nous payons nos dîmes, c'est un sacrifice. Dites amen à ça. C'est un sacrifice. Or, il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. C'est pourquoi faire, on doit en dire certaines choses. Pour bénéficier aussi de quelque chose. Amen. Amen. On ne sème pas, on ne peut pas s'aimer et ne pas récolter. Et pour récolter, il faut quoi? Il faut s'aimer. Donc il faut en dire pour sacler, pour couper les bois, pour en s'émancer. Mais c'est un dur travail, la mère. Amen. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas mourir de faim. Il fait d'abord des sacrifices avant de s'aimer. Et les jours de récolte, le sourire monte jusqu'à là. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, on va faire toutes ces choses-là. Il donne l'exemple ici de la veuve. Vous connaissez la veuve à l'époque de Jésus. Cette femme qui n'avait presque rien. Et il a donné ce qu'il pouvait. Donc, et il continue ici pour dire, voyez-vous, ils apportaient un temps de nombreux animaux et tous les autres sacrifices et toutes les sortes de choses qu'on donne. Est-ce qu'il y a une question aussi? Est-ce qu'on peut donner la dîme, par exemple, sur à l'époque dans la Bible, vous allez voir que il n'y avait même presque pas d'argent. Les gens vivaient juste des trocs. Lui, il a planté le maïs, n'est-ce pas? Il va aller échanger avec celui qui a planté les arachides. Donc, il donnait aussi la dîme sur ça. Donc, j'ai récolté 10 sacs de maïs. Eh bien, j'amène à la maison du trésor. Amen. Donc, même toutes ces petites choses-là que vous pouvez voir, Dieu peut le faire. Alors, dans le message, l'homme qui fuit la face de l'Éternel, du 17 février 65, paragraphe 16, il dit, mais nous ne sommes pas pour des... Nous ne croyons pas pour des gens qui disent qui veut donner 1000 dollars, qui veut donner 50 dollars, qui veut faire ceci. Ça, c'est mauvais. Amen. C'est insane. Oui. Vous savez ça? Amen. Allez. Ici. Tout le monde. Qui a 5000? Les 5000 sont. Qui a 5000? Frère Banam dit qu'on ne peut pas faire de telles choses. Amen. Dites pour des choses comme cela. Celui qui veut donner quelque chose, il donne. Nous voulons construire, par exemple, une maison. Nous voulons acheter une maison. Donc, ce que Dieu mettra sur votre cœur, vous donnez. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si vous remarquez, c'est ce que nous faisons ici. Amen. Amen.
C'est ça que nous faisons. On fait, bon, moi je vais donner 50, moi je vais donner 100, moi je vais donner 1000, moi je vais donner 1500. C'est à l'ordre. Mais quand vous avez dit vous-même de donner, donnez. Amen. Donnez. Ne prenez pas ça à la légère. Ne donnez pas parce que, ah non, sinon le frère tel va voir que je n'ai pas donné. Sinon, le, non, ce que vous avez. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne donnez pas pour le plaisir. Ou il y a des autres qui disent, bon, moi je ne mets pas mon nom, moi je ne donne pas. C'est ton droit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais quand vous avez promis à Dieu, faites-le. Amen. Amen. Nous ne voulons pas de telles choses-là, de, oh, celui-là, il a ceci, celui-là, les sœurs ont mis comme ça, les sœurs ont mis aussi. Bon, c'est pas ça. Toujours dans le même passage, il dit au paragraphe 17, il faut passer la boîte à offrande. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Bon, quelqu'un a quelque chose? Voilà. En fait, comme on ne peut pas le faire sur place, on dit bon, donnez la promesse, mettez votre nom, après vous allez donner. On ne peut pas exiger aux gens à courir, là, non, non, frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis bon, qui a 1000 euros? Frère, il y a des gens qui nous donnent pour voir que lui, il a 1000 euros. Voilà. Ce n'est pas sincère dans son cœur. Et dans ce cas-là, ça ne fera pas effet avec Dieu. Amen. Tu le fais par ton orgueil. Voilà. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Passez la boîte. Donnez ce que vous voulez. Alors ici, où devons-nous payer la dîme? La dîme se paye où? C'est un enseignement, comme je vous dis. Vous êtes avec moi? Amen. Où doit-on payer la dîme? Alors, Lévitique 27. Lévitique 27. Il y a une question là-dessus. Je vais aussi répondre. Donc, les gens qui ont posé des questions, soyez attentifs. Je suis en train de répondre directement à vos questions. Donc, Lévitique 27, le verset 30. Vous êtes avec moi? Amen. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui? Amen. Vous suivez? Amen. Ne soyez pas distrait. Hein? Appartient à qui? Amen. C'est une chose consacrée à qui? Amen. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Amen. La dîme là, le 1/10, c'est consacré à qui? Amen. À l'Éternel. Tu n'as pas droit à toucher à ça. Ça ne t'appartient pas. Si quelqu'un veut racheter, frère, un frère a posé la question ici. Je vais lire la question. Pasteur, autrefois, je vous ai entendu dire que le prophète a dit au cas de dette, il faut payer avec un intérêt de 20%. J'ai déjà dit 20%. Non, c'est pareil. Donc, frère a mal compris. Non, en fait, ça peut être là. Mais le mot 20%, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit 1. Mais c'est 20. Hein? 20%. 50%. Non. C'est 20%. 1/5, c'est 20%. Oui. Mais le mot 20%, moi, je lis toujours ce que je vois le prophète a dit. 1/5. N'est-ce pas? Où est-ce qu'il a pris ça? C'est dans la Bible. N'est-ce pas? Lévitique 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, parce que le frère a dit ici, s'il vous plaît, pasteur, de me montrer. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé dans ma Bible. Donc, bien aimé qui a posé cette question, le 1/5, soit le 20%, c'est là. C'est écrit, hein? Donc, c'est là dans la Bible. Et dans ma Bible, les deux, des deux endroits, il dit d'ajouter ses dons. Alors, il a donné aussi Lévitique 5, c'est pareil, j'ai mis ça. Et il a donné aussi Lévitique 22, 14, 16, c'est pareil, c'est 1/5.
Amen. Donc, le frère qui a posé cette question, le 1 cinquième, quand il demandait qu'il voit le mot dîme. Et si on dit bien, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, amen, amen. Il doit ajouter un cinquième. Et je vous ai montré ce que Branham aussi lit. Il dit, quand vous avez manqué de payer un mois, le mois prochain, vous devez payer 100 euros. Le mois de décembre, tu n'as pas payé. Nous arrivons au mois de janvier. Donc, à la fin de janvier, si tu vas payer les 100 euros du mois de janvier, plus les 100 euros du mois de décembre, mais si les 100 euros de décembre, tu ajoutes un cinquième. Nous avons calculé de tout ce qui est 20 euros. N'est-ce pas? 120 plus 100, ça te fait 240. 220. Est-ce que vous dites à ça? Là, maintenant, tu es en ordre avec Dieu. Donc, ça, c'est une obligation. Donc, alors, il dit, ça ne parle pas de dire. Donc, il y a une écriture faite qu'on dit un cinquième sur ta dîme. Est-ce que c'est clair? C'est écrit. Comme ça, vous savez que nous n'inventons rien. C'est écrit, c'est ça. Parce que le frère a continué à dire, parle pas de dîme. Non, ça, on parle de dîme. C'est ça. Il ajoutera un cinquième de sa dîme. Alors, parce que il dit ici de ses propres problèmes. Parce qu'avec les systèmes alternatifs que je travaille, voyez-vous, d'autres mois, le salaire vient très maigre. Avant même d'arriver au paiement, je suis déjà dans les dettes de transport et tout. Par exemple, s'il vous plaît, pasteur, j'ai la dette de 2017-2018, vous voyez, et je dois encore ajouter de l'intérêt. Frère, je vais vous dire le problème. Peu importe vos dettes, dites amen à ça. Peu importe vos dettes, la dîme, vous le devez à qui? À Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Enfin, nous tous, nous le souffrons. Nous tous, nous faisons quoi? Des sacrifices. Absolument. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vais vous dire, les prophètes, là où il parle de ça, pour dire que peu importe. Attends. Donc. Dans question-réponse, hein? Vous avez moi. Amen. Question-réponse. Question-réponse dans le COD à la page 6, paragraphe 179. Je commence par là. Il dit, c'est dixième, donc on l'a dit, c'est une dîme qui doit être apportée à la maison du trésor. Je réponds à la seconde question qu'il y a un frère qui m'a demandé. La maison du trésor, c'est où? C'est quoi? Dites amen à ça. Il dit qu'il doit être apporté à la maison du trésor. Et une promesse que Dieu bénira cela y est rattachée. Et une mise à l'épreuve qu'il a prononcée. Si vous ne le croyez pas, venez, mettez-moi à l'épreuve et voyez si je ne le fais pas. Voyez-vous? C'est vrai. 180. Les dîmes sont apportées à l'église. Maison du trésor, c'est où? À l'église. L'église que vous fréquentez. Amen. Où vous avez choisi comme votre église. Amen. Pour que le pasteur, ainsi de suite, puisse vivre de cela. Ça, on arrivera comment? Qu'est-ce qu'il fait de ça? Et puis, voyez-vous, je forme donc des consignes. Et le fond, parce que, bon, pour être clair, on a posé une question à Frère Balaam. N'est-ce pas? On lui a posé la question, notez très bien cette question. Serait-ce mal d'employer les dîmes pour alimenter les fonds de construction de l'église? Hein? Donc, on prend les dîmes que vous payez, alors, on veut construire, on veut acheter, parce que nous, par exemple, nous sommes en train de chercher à acheter. On dit, bon, comme on a besoin de l'argent, on prend les dîmes, on met dans le fonds de construction. Est-ce qu'on peut le faire? Non. Pourquoi, Branham?
Il dit ceci. Eh bien, voici un point très délicat pour l'Église en ces moments. Non. Vous entendez? Est-ce qu'on peut prendre la dîme au lieu pour la construction de l'Église? Il dit non. N'est-ce pas? C'est ce qui est correct. C'est que ce qui est correct, c'est que les dîmes aillent au ministre, au Saint-Lieu. Dites amen à ça. Amen. La dîme va au ministre, au Saint-Lieu. C'est vrai. Dans la Bible, ils avaient une boîte qu'ils plaçaient près de la porte dans l'Ancien Testament. Ça, vous pouvez lire dans la Bible. Hein? Dans l'Ancien Testament, qu'ils plaçaient près de la porte dans l'Ancien Testament. Lors de la construction, cette boîte était un fonds que les gens alimentaient pour les réparations et la construction. Vous avez souvent lu ça dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Ils entretenaient donc les bâtiments et tout ça. Toutes les réparations effectuées sur les bâtiments étaient couvertes par ces fonds. Le fonds qu'on mettait dans une boîte. Yes. Vous êtes avec moi? Amen. Parlez dire. Il continue. Ils entretiennent le bâtiment avec ça. Toutes les réparations étaient effectuées par ça. Mais les dixièmes de cela, les dixièmes de cela allaient, donc les dixièmes des dîmes, toutes les dîmes allaient à leur sacrificateur. Amen. Amen. À leur sacrificateur. Leur pasteur. Il faut qu'on a... Il faut chercher le moyen de... Les gens de technique, là. C'est possible, non? Oui, oui, c'est possible. Qu'on peut protéger les citations. Parce que quand il y a des gens qui pensent, bon, c'est une citation, c'est... Comme ça, quand on affiche, tout le monde sait que c'est ça. Et je dis, vous suivez. Dites amen à ça. Donc, il dit, mais les dixièmes de cela allaient, les dîmes, toutes les dîmes allaient à leur sacrificateur, veut dire leur pasteur. Oui, les dîmes ne doivent pas servir à autre chose. Amen. Amen. Ça allait où? Au sacrificateur, le pasteur. Je sais que des gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. C'est faux. Il t'amène à ça? Amen. Tu ne peux pas prendre ta dîme et tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Il y a une autre question, on lui a posé la question, est-ce qu'on peut donner la dîme à un individu quelconque? Si je trouve ça, je vais vous le dire. Il dit non, tu ne peux pas prendre cet argent de la dîme que tu dois payer à l'église, la maison du trésor, c'est là où tu vas à l'église. Dites amen à ça. Amen. Tu ne peux pas donner ça à une veuve. Non, c'est mal. C'est Branham qui lit ça. Qui lit ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le lui, mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Amen. La dîme appartient à qui? Amen. À Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il dit, premièrement, ce n'est pas à vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce n'est pas à vous. Bon, ça va être dans tout. Frère Branham appelait des gens ici à la chaîne. N'est-ce pas? Pendant, par exemple, qui? Des vies. Là aussi, vous allez me critiquer. Bon, pourquoi tu appelles? Il y a des gens, il fait le jeu de questions là. Parce que, mais pourquoi des fois? Bon, pourquoi tu appelles les autres? Faire tel, viens prier. Branham me dit, mais je suis un pasteur. Est-ce que vous avez ça? Donc, attends, parce que je suis responsable de cette église. Mais j'ai des ministres, par exemple, qui travaillent avec moi. Pendant que moi je prêche, eux, ils sont assis. Ils doivent aussi faire quelque chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand j'appelle les ministres pour venir prier, faire, ce n'est pas parce que je ne veux pas prier. C'est vrai, Branham dit que les gens aiment attendre leur pasteur prier pour eux. Amen. Mais ils font partie de mon ministère. Amen. Dites amen à ça. Ils font partie de mon ministère. Donc, il y a des fois, je ne suis pas là. Je vais laisser l'église. Qui va faire? C'est un ministre. Dites amen à ça. Amen. Mais ils le font sous mon ministère. Amen. Pour tout ce qu'ils feront, Dieu me demandera des comptes à moi, pas à eux. Est-ce que vous savez ça? Amen. Donc, si j'appelle frère tel, viens prier. Frère tel, viens lire avec moi.
Cela ne veut pas dire que, bon, je ne veux pas prier ou je ne sais pas. Non. C'est pour donner aussi un travail. Il vient là, il est ministre aussi, et bien il va rester à écouter tous les jours. Mais non, quand il vient là prier ou faire chanter, ça fait partie du ministère. Amen. Ne me condamnez pas pour ça. J'ai des questions là-dessus. Amen. C'est pourquoi je vous dis ça. Et il y a des fois, j'appelle frère Béni, viens lire. Ou bien frère André, viens lire. Pour que ça soit. Parce qu'il y a des fois, je vous dis plusieurs fois, il y a des gens qui pensent que certaines choses nous ajoutons. Ah, passez le Wanaka, il y a qu'on aille. Alors, pour que vous n'ayez pas de tête pensée, et Dieu frappe, hein? Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, je prends un témoignage, frère, viens quand même confirmer que ce que je dis, c'est la vérité. Vous êtes avec moi? Donc, je sais qu'il y a des gens, donc ne prenez jamais la dîme de Dieu et que tu donnes à Yves. Ou tu payes des médicaments pour tes parents qui sont malades. Je vais vous dire, le prophète. C'est mal. Oh, j'avais une dette, comme mon bien-aimé qui a parlé de dette ici. Vos dettes, ça vous regarde, la dette de Dieu, la dîme de Dieu, vous la devez à Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit ici, je sais qu'il y a des gens, voyez, si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Premièrement, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Là, on me donne l'exemple de sa femme. Il dit, bon, ma femme m'envoie avant m'acheter des tomates là au coin. Bon, il y a des frères qui disent, ah, ma femme m'envoie. Oui, même si la sœur n'a pas le moyen, il peut t'envoyer frère. On doit s'entraider. Hein? Le frère africain, donc, on dit, non, 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 ça ne vous diminue pas. Frère, dites amen. Amen. Ça te diminue. Donc, frère, moi, il y a des fois, ça peut arriver. Je suis en ville. Bon, chérie, aux autres villes, nous sommes les gars, mon ma foutre. Je vous dis la vérité. Hein? Hier, je suis allé à Matongé. Bon, maman m'avait montré un magasin pour acheter un pâle. Et j'entre là, je vois une soeur. Moi, je ne le connais pas. C'est une soeur dans le message avec son fils. J'entre là, j'attends mon tour pour demander le pain et tout ça. Oh, la sœur, je vois que moi j'étais comme ça, mais je vois les gens qu'ils étaient en train de me regarder. La fille a se mêlé à ça. C'est comme si c'est passé ça. C'est comme si c'est passé ça. Et je vois la sœur qui me dit bonjour, pasteur. J'ai dit, ah, bonjour, ma sœur. Ah, vous venez. Ah non, je voulais acheter pain et on m'a envoyé. Alors, si vous pouvez m'aider à trouver le meilleur, hein? Oui, Nicolas. Alors, c'est dit, ok. Bon, quand c'est que moi je prie, c'est ça, ça c'est le meilleur. Même les gens ont dit, non, ça c'est le bon, ça vient de sortir. Je vous ai dit hier, que ça vient de sortir cette Mabeng Amaya Sika, tout ça. Est-ce que moi je porte des pannes? Non. Est-ce que j'ai péché? Non. J'ai mal fait? Non. Bon, je dois lui dire, non, toi-même tu es là, mon Dieu, tu prends la tienne. Amen. Certaines choses, frère Balan faisait même la vaisselle. Amen. Dites amen, frère. Amen. Amen. Dites amen, frère. Amen. Pour aider sa femme. Amen. Mais le problème avec les saints. C'est le futur. À des tranchants. Le problème avec les saints, c'est quoi? Hein? Donc, tu vois que tu es assis tout ça. Elle est là. Ah, mais il est sur la même table, ça n'est pas. Alors là, moi je ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous avez. Frère, aidez votre femme. Frère, madame raconte une histoire dans ce message. Il dit, sa femme lui envoie aller acheter les tomates au coin et tout ça. Il dit, bon, il m'a donné ses cèdres, j'ai mis dans cette poche. Mais moi-même, j'avais quelque chose dans cette poche ici. Écoutez bien ça. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit, quand je sors dans la rue, je vois un homme qui est dans les besoins, je ne dois pas prendre cet argent que ma maman m'a donné pour acheter, pour dire que non, bon, je suis un homme trop bon, ça c'est, je peux lui donner, c'est pas grave. Il dit, je ne peux pas faire ça. Je vais chercher dans cette poche ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que ça, ça ne m'appartient pas. La dîme, c'est exactement ça. La dîme, ça ne vous appartient pas. Tu ne peux pas prendre cette dîme-là et tu le donnes à un malheureux
tu le donnes à une veuve, à un orphelin et à tout ça. Cela n'est pas, ne vous est pas donné de le faire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je continue. Alors, il dit, voyez, les dîmes sont apportées à l'église pour que le pasteur, ainsi de suite, puisse vivre de cela. Amen. 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 Je dois expliquer pourquoi. Le pasteur doit vivre de quoi? Des dîmes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il doit vivre des dîmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Il dit, pour que le pasteur vive de, ainsi de suite, puisse vivre de cela. Et puis, le fonds de construction et tout ça, c'est un fonds tout à fait distinct. Amen. Or, ça, c'est conforme à l'écriture. Une fois, quand on aurait démarré, je voudrais prendre une soirée. Bon, ça, je vous ai déjà dit pour les enseignements. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on ne peut pas enseigner. Les dîmes. Alors, il y a encore une autre écriture ici que je voulais vous dire une fois pour toutes. Tout à la suite là. Est-ce qu'une personne devait-il payer la dîme à un individu ou un chrétien devait-il travailler pour faire quoi que ce soit? Vous me suivez? Question 307, question-réponse, toujours dans le COD, page 853. Il dit ceci. Bien sûr qu'il devrait. Il dit, un chrétien, c'est celui qui aime travailler. Doit travailler. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand vous voyez un homme qui ne veut pas travailler, faire, c'est dit que cet homme n'est pas encore délivré. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et tel homme, tu ne peux pas venir prendre ma fille, je ne te les donne pas. Amen. Parce que Branham dit, est-ce que vous savez cela? Amen. Branham dit, un homme normal doit travailler. Ensuite, élever une famille. Ensuite, hein, se marier. Un homme normal doit travailler, élever, donc se marier et élever des enfants. Tu ne veux pas travailler toujours en attendant les CPS. Un paresseux. Mais tu vas, ma fille va souffrir dans ta maison. Ça sera toujours, papa, ici on n'a pas mangé. Papa, on n'a pas mangé. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne te donne pas ma fille. Un chrétien doit vouloir faire quoi? Travailler. Et pour être allé plus loin, pour dire que celui qui ne veut pas travailler, complétez frère. Les faits ici n'ont rien dit ici. Vous avez remarqué, non? C'est le seul qui répond. Un homme qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Branham dit ici, bien sûr, qu'il devait travailler. S'il y a un homme qui travaille, c'est bien un chrétien. Est-ce que vous dites bien ça? Amen. Bien. Maintenant, paragraphe 181. Payer la dîme à un individu, ça dépend de quel individu il s'agit. Voyez, c'est vrai, dans Hébreux chapitre 7, la première fois qu'il nous est parlé de la dîme, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu ça. De manière à ce que. Non, attendez, une minute, je crois que c'est la question. Voilà, il répète la question. Donc, dans Hébreux chapitre 7, 182, quand Abraham, en revenant de la défaite des rois, a raconté Melchisedec, il lui a payé la dîme. C'était là Melchisedec, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix et roi de justice, lequel n'était ni l'autre que Dieu lui-même. Hein? Mais que c'était, je vous ai dit au début, c'était Dieu lui-même. Lui-même, voyez? Mais quand vous payez la dîme, en fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pendant que nous sommes là, donc là, vous êtes en train de recevoir quoi? La nourriture. Amen. Je prends toujours cet exemple-là. Des Arabes, hein, de nos cousins. Ils ont beaucoup de restaurants ici. Il y a Mohamed, il y a Ali à côté, hein, il y a Maman à côté. Toi, tu viens, tu entres chez Mohamed et tu manges ta patate. Tu prends ton manteau, tu sors. Frère, vous allez comprendre ce que c'est qu'un Arabe. Il va te poursuivre avec le couteau. Est-ce que tu dis ta mère ça?
tu sors et tu dis que tu vas payer chez Mohamed. Tu viens de manger chez moi, tu vas aller payer là-bas. C'est une folie en quelque sorte. La dette ne marche pas bien. Mais quand vous prenez votre dîme, toi, tu es pris à Agapao, et tu prends la dîme, tu payes à Malemba, tu es malade. Il t'amène à ça? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Des gens qui envoient la dîme aux Amériques là-bas, qui envoient les dîmes au Congo, qui envoient les dîmes je ne sais pas où. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois payer là où tu manges. Vous êtes avec moi? Amen. J'étais où? Ici, voilà. Vous voyez, payer la dîme. En fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor, dit l'Éternel. Voyez-vous? Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Il dit, j'invite tout homme et toute femme qui ne paye pas la dîme à relever les défis, à accepter ça. Frère, tu ne payes pas la dîme. Cher, tu ne payes pas la dîme. Branham t'invite. Relève le défi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il y a une question qu'on m'avait posée pour des femmes mariées ou des hommes seuls ou des choses comme cela. Je vais répondre à ça. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, relève le défi. C'est celui où vous recevez votre... Apportez toutes vos dîmes à la maison du trésor. De la sorte. Je ne déverse pas. J'invite tout homme. Paragraphe 182, 83. Toute femme qui ne paye pas la dîme à relever les défis et accepter ça. Je pourrais me tenir ici jusqu'à demain matin. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jusqu'à demain matin. À vous raconter ce qui est arrivé quand je vis ça. Et dans quelle situation j'étais. Mais aussi loyalement qu'il est possible de le faire, j'ai payé ma dîme. Et quand je prenais l'argent, voyez-vous, qui me revenait de l'église ici, ou de mes campagnes, je prenais, je donnais le dixième. Nous verrons cela. Amen. Amen. Ensuite, j'ai donné ça à des ministres. Et j'ai donné, voyez, le reste, j'ai donné le reste à des ministres. Nous verrons le pasteur, qu'est-ce qu'il fait avec les dîmes. Comment il utilise ses dîmes. Dites amen à ça. Voyez-vous? Et quand je ne pouvais pas faire ça, alors voici ce que je faisais. J'en gardais 10% et j'en donnais 85% à l'église. Sans à Dieu. Puis, quand la loi m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, qu'il fallait que je prenne et que si je le faisais, le montant complet allait être déclaré sur mon compte. Alors là, je dis au maître ça et placer l'argent dans le champ de mission à l'étranger. Est-ce que vous suivez? Amen. Et tout, et ne prélevait qu'un salaire là-dessus de $100 par semaine et je paye ma dîme là-dessus. Ça, c'est vraiment. La dîme que vous payez, vous le payez là où vous mangez. Amen. À l'endroit où vous avez choisi comme votre église. C'est là que vous payez la dîme. Je continue ici. Écoutez. Donc, Galates 6, je vais lire ça. 6, disons, je fais ça. Galates chapitre 6. Où vont les dîmes? Les dîmes vont à l'église. Le pasteur vit de ça. Dites amen à ça. Amen. Et Branham, comment il utilisait cet argent? C'est ce qu'on est en train de voir. Maintenant, d'abord, ici en 6, écoutez, il dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole de le fasse. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dites amen à ça. C'est la Bible. En fait, les dîmes, c'est strict. Dieu est strict avec ça. Et s'il faut qu'on fasse toutes ces choses ici, alors
Bon, évidemment, il y a des gens qui interprètent ça mal. Ils font ça de leur manière. Mais il dit que celui qu'on enseigne, vous êtes avec moi? Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de quoi? De tout ce bien à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire que moi, je vous enseigne la parole. Vous, tous vos biens, même temporels, matériels, je dois aussi bénéficier. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, l'autre jour, nous avons dit que c'est un doigt, mais c'est un doigt que nous laissons. Et il y a des fois, les chrétiens laissent son doigt. Mais c'est un doigt. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un doigt. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera pour sa chair. Pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. N'est-ce pas? Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Amen. Toi qui payes la dîme, ne te relâche pas. Toi qui fais le bien, ne te fatigue pas. Amen. Un temps viendra où tu vas moissonner. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit, voyez-vous, il y en a encore dans plusieurs endroits. Il dit, alors, c'est ce que nous voyons. Toute dîme de la terre, soit du bétail ou de récolte, appartient à l'Éternel. Nous constatons que la dîme appartient à l'Éternel. Mais dans le livre des Nombres, lisons ça, Nombre 18. Comme ça, on est fixé. Nombre 18. Où vous payez vos dîmes à l'église pour le pasteur vivre de ça? Mais comment ça arrive chez le pasteur? Vous ne payez pas la dîme au pasteur, vous le donnez à qui? À Dieu. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Nombre, chapitre 18, à partir du verset 20. Gloria, tu n'affiches pas? Ça ne marche plus? Ok. Comme ça, les gens, ils voient ça. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Vous suivez? Amen. Aaron était qui? Qui connaît? Sacrificateur. Leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. Amen. Ils sortent de l'Égypte pour la terre promise. Et quand ils arrivent dans la terre promise, Dieu partage la terre à chaque tribu. Mais pour la tribu de Lévi, il dit, toi, vous n'aurez pas de part là-dedans. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Toi, tu n'auras pas de part au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Dieu dit à Aaron, moi, Dieu, je suis ta part et ta possession. Mais tu n'auras pas donc, la terre ici. Vous savez cela, n'est-ce pas? Au milieu des enfants d'Israël. 21. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Tu t'amènes à ça? Donc, la part qui revient à Dieu, Dieu, il dit, ma part, je donne à qui? À Lévi, les sacrificateurs. Pourquoi? Pour les services qu'ils font où? Dans la tente. Pour les services qu'ils font à l'église. Je donne ma part à lui. Non, pour de peur que je voyez. Alors, 21, c'est ça. Hein? Le service de la tente d'assignation. C'est-à-dire que celui qui reçoit la dîme, c'est celui qui travaille à l'église que Dieu a mis là. Est-ce que vous dites amen à ça? Pas n'importe qui. Tu ne peux pas prendre ta dîme, tu le donnes à un évangéliste qui est en train de passer. J'ai la citation là-dessus. C'est faux. C'est bien d'aider un évangéliste, mais prends de ta poche, comme je viens de vous expliquer ici. Dites amen à ça. Ah, tu vois un évangéliste qui fait de bons travaux en dehors de six. Prends de ta poche. La dîme, tu le payes là où tu manges.
Mais tu veux aider un évangéliste de passage. Prends de ta poche à 1000 euros pour Nayo. Mais les 100 euros pour qui? Pour là où tu manges. Amen. C'est un ordre. Je peux dire ça. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Donc vous autres là, le travail à l'église, c'est pourquoi vous voilà, me dit quelque part, j'ai des citations là aussi, la Bible en parle. La dîme le donne à celui qui est ouvert pour ce travail. Vous faites, n'acceptez pas la dîme de quelqu'un quand il n'est pas ouvert pour ça, pour faire ce travail-là. Quelqu'un peut dire bien à ça? Amen. Ou sinon, vous allez vous charger d'un péché et qu'il ne meure. 23. Les Lévites feront les services de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Amen. Amen. En fait, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous savez, les pasteurs en disent beaucoup de choses. Vous savez ça? Ils en disent beaucoup de choses que les membres de l'église ne le savent même pas. Amen. Tout ce qui est votre vie là, on le demandera à votre pasteur. Amen. Est-ce que vous savez ça? Oui. Mais vous faites de vos pasteurs des jouets. Dieu demandera des comptes à ça. Mais les gens jouent. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. C'est-à-dire enseigner à vos enfants. Hein? Des enfants de vos enfants que c'est une loi perpétuelle. Les, je donne comme possession aux Lévites, les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leurs égards, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Dieu vous donne du travail. Il te donne, toi tu vas travailler dans l'administration. Toi tu vas travailler dans la distribution. Toi tu vas travailler dans la petite crèche, dans l'école et toutes ces choses-là. Mais le pasteur, lui, il ne donne pas du travail. Ailleurs, de travailler dans le monde. Dites amen à ça. Lui, son travail, c'est de rester ici. Quand vous venez avec vos fardeaux, vous appelez pour vos problèmes. Le pasteur, c'est il prend ça, il mène ça où? À Dieu. C'est ça son travail, pas autre chose. Moi, je vous ai donné mon témoignage ici. Vous savez, à un moment, quand moi j'ai commencé cette église, j'ai travaillé dans le travail que je vous ai dit ici comme animateur des jeunes. J'étais moi-même responsable. J'ai travaillé dans les communes ici, Anderlecht, Saint-Gilles et tout ça. J'ai travaillé là, dans le travail social. J'ai commencé à travailler. Mais à un moment, j'ai vu que je n'arrivais pas à payer toutes mes dettes. Ça peut aider quelqu'un. Dites amen à ça. Amen. J'ai dit, bon, je dois retourner. Je connais tous ces gens-là. Les mourants qui viennent de mourir, là, Molenbeek et tous ces gens-là. J'ai entré dans leur bureau sans frapper. Ah, c'est M. Kimolo. Oui, oui. J'entre. Quoi? Oh, non, ça. Ok. Et moi, pour moi, c'était facile. J'ai dit que je vais trouver. J'ai l'expérience, j'ai tout. Je vais trouver le travail. J'ai frappé toutes ces portes-là. Rien. On te donne toujours des prophètes. Non, reviens. Oh, non, on va t'appeler. On va faire ceci. J'ai dit, oh. Les gens avec qui j'étais, qui me cherchaient même pour des travail. J'avais déjà travaillé. On dit, tu peux aider là-bas. Maintenant, ils n'ont pas de travail. Alors, je suis allé en prier. Moi, je dis toujours, même je l'ai dit même à mon épouse, je sais comment je suis conduit. Amen. Je ne fais pas des choses pour faire. Il faut que je sente la conduite du Saint-Esprit. Amen. J'ai fait comme ça. Même si ça barre, j'attends la conduite. C'est qu'est-ce ça. Que je dois faire? Je dois le sentir. Je le sais. Amen. Mon épouse sait ça. Amen. J'ai dit, bon, là, je crois que j'ai un problème. Je suis allé prier. Et quelques jours après, je dors. N'est-ce pas? Je vois dans les songes que j'ai trouvé du travail. Dites amen à ça. Amen. J'ai trouvé du travail. Et le travail qu'on me donne, c'est quel travail? C'est-à-dire d'aller prendre du pain et de vendre du pain. J'ai dit, moi. Donc, je dois aller prendre et vendre du pain dans la rue et tout ça. Dans les songes, frère, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais non, Seigneur. Je ne peux pas aller vendre du pain quand même. J'ai quand même étudié. J'ai quand même un peu de notions. Je peux faire. Je dois. Et dans ces songes, je me rappelais que
Si j'ai dit ça à mes enfants ne vont pas accepter ça. Parce que j'avais déjà ça et moi, je dis, vous êtes devenu chauffeur de bus. Les enfants, là, les Charol, là, les Gloria, là, les autres étaient un peu plus. Ah, papa, tu dois devenir chauffeur de tout le monde. C'est mon père qui est au volant. Ah. J'ai commencé à pleurer dans ces choses. J'ai dit, moi, tout le monde, quand même. Mais malgré que j'ai pleuré, quand même, j'ai pris quand même les paniers pour aller à la boulangerie. Et là, nous étions beaucoup. Beaucoup de gens nous sont venus là, avec chacun avec son panier. On est arrivé à la fin. On mettait le pain. On a mis le pain. On a mis le pain. On a mis... J'ai pleuré toujours. Je ne suis pas allé vendre le pain. J'ai pleuré. Mais j'ai pris quand même du pain et je suis venu dans la grande rue. Je me rappelle que je me suis retrouvé à Kine, sur l'avenue université. Et on a étalé chacun de nous. Chacun a mis son petit capoté. Et on vendait du pain. Tout le monde commençait à vendre. Mais au bout de quelques temps, j'ai constaté que chez moi, il n'y avait pas de gens, beaucoup de gens qui venaient. Et tout le monde partait, allait là-bas, allait là-bas. Oh, mais pourquoi? Nous venons de la même boulangerie. Nous avons pris le même pain. Mais pourquoi chez moi, il n'y a pas beaucoup de monde et que chez les autres, il y a beaucoup de gens? Et ils nous voient, me disent, observe. Frère, soyez attentifs à toutes choses. Observe. Je commence à observer. Frère, le travail là qu'on fait là, si Dieu ne t'envoie pas, n'y met pas les pieds. Amen. Amen. Ça c'est. Yes. Amen. Amen. Non, Dieu parle. Amen. Toi, on t'envoie toujours comme. Bon, je commence l'église aujourd'hui parce que l'autre m'a mis dehors. Non, on ne commence pas une église sous un coup de foudre. Non, monsieur. Ça c'est. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. J'ai dit, mais pourquoi? Pas, moi, je ne peux pas faire ça. Il dit, observe. J'ai observé comment les autres faisaient. C'est qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand l'homme venait pour acheter du pain, il prenait le pain, il coupait ça. Voilà. Il prenait les mantecas. Il prenait les salades. Il mettait beaucoup de choses. Et quand il mangeait, et les choses, ça tombait. C'est un peu sale, hein, vous savez. Je sais, mais ça tombait, il mangeait. Ah! Donc, ils achètent là parce qu'ils ont mis de... Des choses dedans. Hein? La garniture, vous connaissez les. Ils ont mis la. Moi aussi, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas l'argent pour acheter les beurres. Je n'ai pas l'argent pour acheter les salades, là. Mais je me suis dit, mais ma maison, parce qu'à un moment, nous, ma dernière maison de Brère Akin, c'était en Gaba, avenue Pache. Et là, on était sur l'avenue Université. J'ai dit, mais ma maison n'est pas loin. Je veux retourner à la maison. Comme je n'ai pas assez d'argent pour acheter du beurre, je veux prendre les mouamangouba, les pâtes d'arachide. C'est ce que je vous dis dans les songes. Je veux acheter, je vais prendre les mouamangouba dans la maison, je vais et je vais mettre. Comme ça, les gens vont dire. Et la voix m'a dit, n'essaye pas. Hein? C'est comme si les choses se passaient comme ça. J'ai dit, mais pourquoi? Donc, je suis un peu têtu, un peu. Dieu connaît mon caractère. Dites amen à ça. J'ai dit pourquoi. Tout le monde, ils sont en train de mettre toutes ces choses ici. Mais moi, pourquoi il n'y a que moi qui ne peux pas mettre? La voix dit n'essaye pas. Dites amen à ça. Mais malgré la discussion, j'ai obtempéré. Mais tout de suite après, j'ai eu l'interprétation. Maintenant, l'interprétation, ça devient comme ça. Dit, oh, mais songe, dis nous, qu'il songe comme ça. Maintenant, tu reçois la réinterprétation. Okay, vous voyez, le travail que tu cherches. Ton travail, c'est vendre du pain. Il t'amène à ça. C'est vendre quoi? Du pain. Vendre du pain. Le pain que tu as vu là, c'est quoi? C'est la parole. Mais les choses que tu as vu, on t'a dit qu'il ne faut pas mettre ça, c'était de quoi? Des fausses doctrines. C'est pourquoi moi, en tout cas, que Dieu me fait grâce. Je n'ajouterai rien. Amen. De ce que le prophète n'a pas dit. Amen. Cela m'a été montré. Oh, de fausses doctrines. Oh, ceci. Moi, quand Dieu ne m'a pas convaincu de la chose, je n'en fais pas. Amen. Je ne parle pas de ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mon travail, c'est celui-là. Maintenant, vous allez dire, bon, il y a des fois, vous savez, les gens. Parce que si tout le monde payait leur dîme ici, est-ce que vous dites amen à ça? Je ne peux pas faire autre chose. Mais il y a des fois, je tourne à gauche, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Pourquoi? Mais parce que vous ne payez pas vos dîmes. Et Dieu vous demandera des comptes. Vous allez dire, oh mes frères, pasteurs, non, non. Parce que dans la Bible, il y a des gens,
Ceux qui disent la Bible savent ça. À un moment, l'église à l'Israël était vidée. Ah. Est-ce que vous savez ça? Amen. Et les sacrificateurs allaient. Oui. Ils ont fui. Pourquoi? Parce que les gens ne venaient pas donner. C'est ça. Ils sont partis. Et remarquez, les gens, vous allez voir, quand Dieu est venu pour parler aux sacrificateurs, pourquoi vous n'étiez pas là et toutes ces choses-là, c'est-il, les taux de tombe aux croyants. Oui. Toi, est-ce que toi, tu payes ta dîme? Si tu viens, si tu ne me vois pas, tu vas bouder ou non? Je sais, il y a des gens, vous venez là, peut-être je suis en retard ou des choses. Ah, il est passé, il n'est pas là. Bon, il ne peut pas payer mon téléphone. J'ai le Lika, j'ai beaucoup de chers qui veulent l'appeler, Lika, tout ça. Mais le Lika que j'ai ouvert est témoin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette. Il faut que je cherche un autre téléphone. Parce que j'appelle, je ne vous vois pas. Bon, parce qu'ils ne veulent pas appeler avec Proximus. Proximus, c'est un peu cher. Oui. Je comprends. Lika, là, je ne sais pas pourquoi ça bloque. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je ne suis pas, si je fais quelque chose, fais, vous, toi, ne regardez pas ton voisin. Toi, est-ce que toi, tu peux te dire? Mais pour tes péchés, moi, je répondrai. Je viens de vous le dire ici. Hein. Pour tes péchés, moi, je dois répondre pour toi. Donc, il y a des fois, je vous cache, je fais ceci. Moi, je dois interpréter, je dois intercéder pour Dieu pour tes péchés. Je sais que tu vis mal. Je prie pour toi. Merci. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour que Dieu te change. Amen. Mais toi, tu ne veux pas obéir à ce que Dieu t'a dit. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, les dîmes sont destinées au pasteur de vivre avec ça. Et Frère Banham dit, qu'est-ce qu'il fait? Je vais lire la parole ici. Paragraphe 25, il dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. On lit la même chose. Amen. Donc, on paye la dîme au pasteur. Mais l'ordre de Dieu dit, le pasteur lui aussi, il doit prélever quoi? La dîme de la dîme. C'est-à-dire, par mois, quand on récolte tout ce que vous payez comme dîme, j'arrive par exemple à 2500 euros. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qui me revient comme dîme. Alors, si cette dîme-là, je dois aussi lever un dixième de ça. C'est combien? 250 que moi, je mets de côté. Je fais quoi avec ça? Est-ce que vous dites bien ça? Le reste ici, 250, ça me reste combien? 2250. C'est de ça que je dois vivre. Mais Branham, maintenant, il faisait ça comment? Écoutez très bien. Je viens de vous le dire, si vous étiez attentif. Hein? Branham dit, de ça qui me reste ici, c'est de ça que je vis. J'ai beaucoup de citations là. Je vis de ce que vous m'amenez. Il dit, même les enfants lui apportaient des dîmes. J'ai des citations. Amen. Même les enfants. Amen. Quand votre enfant veut me donner quelque chose, ne lui empêchez pas de faire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, ça, je vais donner au passé, je vais donner au frère tel. Ne lui empêchez pas. Il dit, même les petits enfants amenaient des dîmes à Abraham. Il dit, alors, de ce qui me reste ici, c'est de ça que je dois vivre. D'abord, j'ai une maison, j'ai une femme, n'est-ce pas? J'ai des enfants, donc je dois vivre. En fait, c'est comme mon salaire à moi. Mais comme aussi je reçois un salaire, donc, je prélève aussi la dîme, ce que j'ai enlevé là. Dites amen à ça. Maintenant, de ça, qui est là, il dit, c'est de ça que je vis. Et là où je vous ai dit dans la citation, quand il utilisait cette... S'il lui reste, est-ce que vous attendez? S'il lui reste, il pouvait donner aussi au ministre. Dites amen à ça. Au ministre, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai lu cela. Qu'est-ce qu'il faisait? Il participait dans des missions à l'étranger.
Je crois que c'est de ça que... Non, ça là, c'est de ça. À l'étranger, de ce qu'il mettait à côté. Des missions à l'étranger. Dites-moi bien ça. Et avec cela, qu'est-ce qu'il fait encore? Il peut maintenant aider des orphelins, des veuves, n'est-ce pas? Aider. Hein? Qui? Des étrangers. Ça, c'est la Bible qui le dit. Parce qu'un étranger, une veuve et l'orphelin, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Amen. Est-ce que vous savez cela? C'est Dieu qui s'en occupe. Là, c'est la part de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu est spirituel. Il travaille au travers de qui? Des hommes. Son représentant, c'est le sacrificateur. C'est le pasteur. Voilà le pasteur. Et il y a des fois des orphelins, des veuves et de ceci. Si je vous dis que moi, je peux payer des bénévoles aux gens au Togo, à l'Afrique du Sud, que je ne connais pas, vous ne me croirez pas. Mais je l'ai fait. Il t'amène à ça? Je suis orphelin, je suis seul, je suis ceci. Si je vous montre les westerns, ma femme ne connaît pas ça. Je ne la connais pas. J'ai des problèmes. Il y a des fois, même ici à l'église, une soeur, une famille qui a des problèmes, même 50 euros, même 20 euros. C'est normal. Est-ce que vous dites amen à ça? De ça. C'est de cela que le sacrificateur fait avec sa dîme. Donc, ma dîme, ce que je paye, c'est à Dieu. Mais, est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça que nous faisons. Maintenant, si je n'ai pas assez, je veux que vous compreniez ça. Parce que vous allez dire, vous savez, j'ai des ministres ici, mais ils ont aussi besoin de quelque chose. Bien qu'ils ne sont pas à permanence ici, mais ils sont des ministres. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, si j'ai assez, moi, mais ces gens-là, ils sont aussi, on peut aussi leur donner quelque chose. Amen. Mais si je ne le donne pas, j'ai un exemple que je vous donne. Je devais donner quoi si moi je n'ai pas assez? Et si je n'ai pas assez, pour quelles raisons? Parce que vous ne payez pas vos dîmes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu est strict avec les dîmes. Maintenant, quand je dis ça, ne venez pas demander au pasteur, le pasteur donne-moi 10 euros. Non. Parce qu'on a vu ça. Ah, donc, pasteur, là, bon, pas ça que je. Non, frère. Là, je crois que vous êtes trop fou d'entendre. Là, je vous dis, t'amènes à ça. Mais voilà comment l'argent de l'église est utilisé. Ce que vous donnez comme construction, comme offrande et tout ça, la Bible dit, même Branham le dit, même dans d'autres églises, l'église où on ne paye pas la salle, l'argent là, des offrandes va où? Qui peut répondre? Aussi le pasteur. Ça lui appartient, les dîmes et les offrandes. Mais dans notre église ici, nous avons dit, moi j'ai accepté ça, que les offrandes servent pour la maison, les besoins de la maison. On ajoute pour les loyers, on achète des dépenses et tout ça, des savons et toutes ces choses-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà les dîmes. Maintenant, il est quelle heure? Dans 10 minutes, j'ai fini. Comme je vous ai dit, s'il reste des petites choses, le ministre après moi, pouvez. Parce que ne laissez pas seulement que le pasteur. Je l'ai dit du haut de la chair, pas le frère. Parce que c'est comme cela. Essayez aussi d'encourager ces gens-là. Amen. À leur montrer. Amen. Que les choses doivent se faire à l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, nous étions nombreux combien? Vous avez compris, n'est-ce pas? Quelle la dîme que vous payez à Dieu. Mais c'est Dieu qui donne au pasteur. Vous ne me donnez rien. À part des cadeaux que vous pouvez m'apporter. Ou un costume que vous m'achetez. Une chemise. Tout ça. Mais ce que vous payez, vous le payez, vous ne me donnez pas moi, c'est à Dieu. Et Dieu, lui, il voit, va vous récompenser. Est-ce que vous savez cela? D'une manière ou d'une autre. Donc, j'avance et c'est pour y aller. Donc, maintenant. Il dit alors, c'est ce que je viens de dire, donc la dîme à un individu, on ne peut pas
les donner à quelqu'un d'autre, même à un évangéliste. Ah, j'ai oublié quelque chose ici. Avec ça, n'est-ce pas? À part les veuves, les missionnaires, les étrangers et tout cela, on donne aussi à l'ancien. Donc ça, ce que je garde là, un jour je peux voir un ancien. Mon ancien, par exemple, qui passe par ici. Mon frère, j'ai quelque chose là-bas. Voilà, pour toi. Un ancien. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, un ancien, par exemple, comme nous disons, je suis ancien, par exemple, de l'église des colonnes. C'est quoi ça? Papa Noé. Je suis un ancien. Je peux aller en Allemagne faire Pongo. Si il connaît la parole, frère Joseph. Parce que c'est une église qui sort d'Agapao. Même les autres églises qui sont sorties ici, hein, je ne cite pas les noms, ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'églises qui sont sorties d'ici. Je suis leur ancien. Même s'ils n'acceptent pas ça, mais je suis leur ancien. Toutes les églises que vous connaissez qui sont sorties d'ici. Oh ceci, oh ceci, oh ceci, oh cela. Je suis leur ancien. Donc voilà. Donc j'ai ajouté ici qu'on peut donner aussi à un ancien. Donc de mes dîmes, la dîme de la dîme. Amen. Alors, voyez, alors ici pour aller vers la fin, il y en a beaucoup de choses. Donc, pour un membre d'une église, son premier obligation est de payer ses dîmes et ses offrandes pour supporter son église. Si vous êtes membre de cette église, vous devez supporter votre église. Vous devez supporter votre pasteur. Dites amen à ça. Amen. Ah, c'est votre premier devoir. Supporter votre pasteur, il y a des fois, je suis en train de dire, je voyage demain. On m'a appelé hier. Mais un frère, une soeur dans l'église, il dit, pasteur, vous voyagez, bon, j'ai 50 euros ici. C'est, vous voyagez, j'ai 20 euros, à part vos dîmes. Dites amen à ça. Amen. Ah. Alors, c'est là où vous avez votre nourriture. La maison du trésor, c'est là où vous mangez. Amen. C'est là où vous avez choisi l'église que vous fréquentez. Amen. Voyez-vous, là où vous êtes nourri spirituellement. Et votre obligation est envers votre église. Pas à un évangéliste. Ouais, ça, c'est Branham qui parle. Branham lui-même dit, même quand je ne suis pas passé dans votre église, je passe, tu ne peux pas me donner la dîme. Oh non, il dit non. Vous donnez l'église ou la dîme ou à votre église. Si vous voulez lui donner l'argent, ne lui donnez pas de la dîme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Prenez ce qui vous appartient. Comme moi. Voyez-vous, vos dîmes et offrandes vont dans votre propre église. Il dit cela dans la porte du cœur, paragraphe 2. Pas ailleurs. Tu ne peux pas envoyer tes dîmes au Congo, en Afrique. Tu es nourri ici. Comment tu manges ici et tu payes ailleurs? Ça ne se concevoit pas. C'est vraiment inconcevable. Dieu a une voie pour supporter son église. Non par des balles et tout cela. Maintenant, et les dîmes aussi, on ne peut pas avoir les frères, si on va organiser une balle pour donner. Non, ça, ce n'est pas les dîmes. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, vous devrez payer vos dîmes. Toi qui ne payes pas les dîmes, après on va dire, bon frère, bon ça aux administrateurs, bon frère, le pasteur, on a vu qu'il y a un peu de problèmes à la maison, on va organiser une kermesse ici, on va vendre un peu les beignets pour que l'argent on donne au pasteur. Branham dit, cela ne peut pas remplacer les dîmes. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est autre chose. Voyez-vous. Donc, alors, c'est tout ce que je vous ai dit ici. Mais là, avant que je termine ici, vous savez, c'est vaste, hein, on n'en terminera jamais. On pourra toujours revenir de temps en temps. Alors, je crois que j'ai survolé l'essentiel. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les conséquences de cela, c'est que quand vous le payez pas, allez lire Malachie chapitre 3. Nous l'avons lu ici, n'est-ce pas? Amen. C'est quoi? Dieu va dévorer. Ce que vous épargnez, vous mettez dans des banques, vous mettez toutes ces choses-là. Gagnez. Donc, mettez votre argent là où la ruine et le truc ne peut pas atteindre. Ne peut pas atteindre. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Oui. Donc, payez la dîme. À qui? Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer ici. On paye là où vous mangez, à votre église. Et
peu importe ce que c'est que c'est, c'est une exigence que de payer la dîme. Donc, on paye de tout ce que vous pouvez, je viens de vous expliquer. Et quand chaque période, chaque mois, que vous recevez quelque chose, vous devez payer. Il a payé le mois de janvier, le mois de décembre, le mois de janvier, il ne paye pas. Et vous pensez que Dieu a oublié? Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a payé le mois de novembre, le mois de décembre, il n'a pas payé. Et Frère Banham dit, quand vous êtes un couple, et entraider, c'est ça le problème. Vous devez vous entraider. C'est ton mari qui n'a pas encore compris, vous avez le droit de lui parler de la parole. Amen. C'est ta femme qui n'a pas compris, vous avez le droit de l'expliquer dans la parole. Que ma chère, ma chérie, regarde ce que la Bible dit, on doit payer. C'est une obligation. Oh, nous avons des dépenses. Vos dépenses, ça ne concerne pas Dieu. Dites amen à ça. Amen. Ok, alors je vais peut-être mettre à terme ici. Ce n'est pas fini. Je vais lire ici dans une écrite, dans le message. Amen. Et moi, Agapao, tu ne m'as pas mis. Regarde un peu. Donc, on va prier. Et il y aura des questions, mais je viendrai répondre ça à mon retour. Prends-moi dans les signes. Mauvais. Donne-moi Agapao. Alors, ici, il dit ceci. Pour mettre un terme, donc on met une point virgule, on continuera plus tard. Le message, le signe. Le signe, on va terminer par ici. Du 9-9. Message des signes, des 1er 963, paragraphe 161. Notez, il dit ceci. Mais Israël, toute personne qui étudie la Bible sait que Israël était un type de l'Église, exactement en route vers la terre promise. Et c'est là qu'elle se dirige, donc l'Église. C'est comme l'Israël. Lorsqu'on arriva le temps du soir et qu'il fallait se mettre en route, il y avait une seule exigence formelle. Peu importe qu'il ait été juif, avec quel soin il avait veillé sur ses récoltes, combien il avait eu d'égard pour ses voisins, tout ce qu'il avait accompli, quel membre d'église exemplaire il était, combien de dîmes il payait, toutes ces choses étaient bien, c'était en règle. Et il était un brave homme, reconnu comme tel au milieu des siens. Mais sans les signes du sang, il allait périr. Il t'amène à ça. Amen. Tu peux dire, bon, moi je paye mes dîmes. Je viens à l'église tous les jours. J'obéis au pasteur. Je fais tout ce que l'église me demande. Mais au-dessus de toutes ces choses, il vous faut un signe. C'est quoi le signe? Le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu peux être en règle avec toutes ces choses. Mais si tu n'as pas le signe, ça ne vous servira à rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Branham est en train de dire ici. Il pouvait dire, moi je suis vraiment le vrai juif. Je ne suis pas un ramassis.
je paye mes dîmes, je prends soin des orphelins, je fais ceci, je fais cela. Est-ce que vous dites amen à ça? J'ai fait toutes ces choses. Mais quand il n'avait pas les signes, zéro. Amen. Écoutez, deuxième témoin. Il continue la même chose. Ici. Regardez. Je me rends. Dans quel message ici? Les signes toujours. Il dit, je me rends bien compte. Que savez-vous, ce sont vos. Ah, non, non, pas ça. Ça, c'est. Il voulait dire que je vis de vos dîmes. Mais ici, deux minutes. Donc, Branham dit ici, dans cette citation-là, que ce qui me fait vivre, ce sont les dîmes que vous apportez. Mais ici, je voulais vous montrer l'importance du Saint-Esprit. Que même si vous payez les dîmes, même le bien-aimé qui a dit, même les retards que vous avez et que vous venez payer, mais cherchez d'abord les signes. Amen. Dites amen à ça. Dans le message ici, celui-ci du 8 février 64, les Juifs auraient pu dire, oui, nous sommes des Juifs de l'Alliance. Amen. Mais s'ils n'avaient pas les signes, l'Alliance était inopérante. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la même chose maintenant. Peu importe combien nous sommes bons, au paragraphe 48, combien nous sommes 49, combien nous sommes bons, peu importe, vous direz peut-être, eh bien, je fais ceci, j'ai fait toutes ces choses, j'ai payé mes dîmes, j'ai été membre de l'église, j'ai fait tout ceci. Dieu exige le signe. C'est ce qui montre que vous vous êtes identifié avec votre sacrifice. Celui que vous prétendez avoir, celui que vous croyez avoir. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je dois être en ordre chez tout. Mais, je dois rechercher quoi? Les signes. Les signes vous identifient. Parce que je vous épargne un peu le temps. Frère Banam dit, Caïn, vous savez ça? Caïn était religieux que son frère Abel. Caïn payait ses dîmes. C'est Branham qui dit ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le lieu d'adoration. Attends, parce que ça me vient là, sinon. Voyez? C'est pas ce sinon. Vous assistez, l'Assemblée dit Amen. Dans le message ici, 8 mars 68. Le signe doit être là quand même. Vous êtes avec moi? Paragraphe 51. Message du 8 mars 64. Vous saisissez, l'Assemblée dit? Amen. Vous avez aussi compris? Amen. C'est bien de payer les dîmes. De venir à l'église tous les jours, c'est une bonne chose. Parce qu'un chrétien le fait, c'est une obligation. Mais au-dessus de cela, recherchez quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, le signe doit être là quand même. Et si vous faites partie de l'Alliance, si un juif disait, pas question que je mette du sang sur ma porte, je peux prouver que je suis un juif de l'Alliance, l'ange de la mort le prenait. Amen. Tu peux dire, non, 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 moi, je suis membre d'Agapa, oh, je paye mes dîmes, tout cela. Mais si tu n'as pas les signes, c'est l'ange de la mort qui frappe. Vous êtes avec moi? Amen. Peu importe combien ils étaient dévoués, quel membre d'église exemplaire ils étaient, combien ils payaient en dîmes, combien ils affirmaient croire Jéhovah. Jéhovah exigeait ces signes. Aujourd'hui aussi, il l'exige. Amen. Il doit y être là. Il le faut, car il n'y a aucun autre moyen sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné, d'aucune manière, peu importe combien on est bon, combien on est dévoué. Ces signes doivent être là et bien en vue. Amen. Que les gens voient que tu as changé. Amen. Et vous qui ne payez pas vos dîmes, mettez-vous en règle. Nous allons nous lever. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Le sang.